Mais Les députés qu'on a déjà vu, on a mis à vivre les hauts. J'espère que le message est bien reçu. C'est juste, surtout devant l'état-major comorien. Le message envoyé par l'armée malienne, le message envoyé par l'armée Madawi, par l'armée de Ghana, et j'en passe. Donc j'espère que aussi l'armée comorienne sera à la hauteur de l'enjeu des événements et que nous allons connaître une situation meilleure dans les jours à venir, inch'Allah. Monsieur le député, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit Je suis là pour la première. 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 Je suis là pour la
Et nous allons agir une nouvelle fois, le peuple du Mali écrit une nouvelle page de l'histoire de l'Afrique. Et nous aussi, soyons ambitieux. Il faut qualifier les choses à leur juste valeur. Il s'agit d'un acte symbolique, incontestablement, qui sera inscrit dans l'histoire de l'Afrique. Oui, désormais, le peuple d'Afrique a les moyens de se débarrasser des dictateurs qui prétendent rester au pouvoir par la terreur, la peur, la force. Désormais, le panafricanisme aura son siège, et le siège du panafricanisme sera au Mali. Merci, on va aller. Pour ceux qui pensent que le panafricanisme c'est du vent, le panafricanisme deviendra une réalité. Elle reposera sur une vision. Le panafricanisme reposera sur des valeurs. Le panafricanisme reposera sur notre courage. Les valeurs du panafricanisme, la vision que nous entendons donner au panafricanisme reposera sur la gouvernance démocratique. Ça voudrait dire quoi? Qu'aucun dictateur ne sera à l'abri de notre colère, de la colère des peuples d'Afrique. C'est le premier message. Le deuxième message, c'est que nous sommes plus qu'unis qu'avant. Les fondateurs, ceux qui se sont bâtis pour nos indépendances, l'ont rêvé. Nous le réaliserons de gré ou de force. Nous allons, lorsque j'ai dit nous, c'est le 54 pays d'Afrique. Nous allons nous déplacer le 20 septembre prochain, ce mois-ci. Nous allons nous rendre à Bamako. Merci. Nous allons sur place officialiser, poser les pierres d'une nouvelle vision de l'Afrique unie.
Denali. Denali le mérite. Et ce n'est qu'une justice que nous rendrons au peuple malien. C'est que nos frères et sœurs maliens ont fait doit nous inspirer. Et nous allons nous inspirer de ce qui a été fait au Mali. Troisième message, il s'adresse à l'armée malienne. L'armée malienne a compris. L'armée malienne a écouté et compris et adhéré au message du peuple malien. Leur position, leur posture républicaine mérite d'être soulignée, mérite d'être encouragée. Et c'est pour cette raison, comme elle n'est pas la seule en Afrique, mais a aussi l'armée burkinabé, mais a aussi l'armée ghanéenne, il y a aussi l'armée mauricienne également, il y a aussi l'armée de Malawi. Ces pays se sont distingués. Ces pays symbolisent notre rêve d'une armée républicaine en Afrique. Et c'est pour cette raison qu'un tableau républicain sera décerné le 20 septembre prochain à l'armée malienne à Bamako. Le tableau républicain pour l'armée de Malawi sera envoyé à Malawi. Et celui de l'armée ghanéenne sera envoyé au Ghana et celui de l'armée mauricienne sera envoyé à Port-Louis, à l'île Maurice, dans l'océan Indien, d'où je suis originaire. Et pareil, l'armée de Burkina sera décerné, sera envoyé également à Burkina. Burkina, voilà. Chers frères et sœurs, pour ceux qui font des efforts, il faut les reconnaître, il faut les encourager. Ce sont ceux qui ont fait des efforts qui vont inspirer d'autres également. Ceux qui ne croient pas à l'Afrique doivent tomber malades aujourd'hui. Ils vont tomber malades, ils ne croient pas à une Afrique nouvelle. Nous savons, nous sommes conscients, et c'est pour cette raison que j'ai dit que nous avons compris. Nous sommes conscients que l'avenir du monde dépend de l'Afrique, dépend de notre continent. Nous avons les ressources naturelles, nous avons les talents. Les talents africains serviront l'Afrique. Les ressources naturelles africaines serviront au développement de l'Afrique. Ça, c'est le défi. Moi, j'estime qu'il y a 5 défis. Le premier défi, il est d'abord culturel. Le premier défi, il est culturel. Et nous avons regardé, observé les créations culturelles contemporaines viennent d'où? Et c'est pas une richesse. Les forces créatrices culturelles actuelles, il faut les chercher, elles sont en Afrique. Et celles qui excellent en Europe et en France particulier, elles viennent d'où? L'Afrique. Que ce soit dans les secteurs sportifs, ils viennent d'où? Et dans le sport et dans la culture, ils viennent d'où? Regardez dans les librairies, regardez, observez dans les librairies, les grands, ceux qui produisent intellectuellement sont d'origine africaine. Mais soyez fiers d'être africains. Aimez votre continent. Soyons fiers d'être africains. Ça, c'est la première révolution. Elle doit être culturelle. C'est notre premier défi.
il est à notre portée. Élevez-vous. Deuxième défi. Le deuxième défi, il est politique. Il est politique, le deuxième défi. Et il dépend aussi de notre prise de conscience. C'est le défi politique. Ça, c'est notre deuxième défi. Le deuxième défi politique repose sur des valeurs. Ça a été dit tout à l'heure avec... mais... une force inimaginable doit reposer sur la démocratie. Et elle vient de l'Afrique, la démocratie. Elle vient de chez nous, la démocratie. Ça a été démontré avec élan et intelligence tout à l'heure par mon frère Abdelaziz. Bon, donc soyons fiers. Essayons de nous réapproprier de notre richesse politique. C'est un combat. Essayons de nous réapproprier des valeurs qui sont devenues des valeurs universelles, à savoir la démocratie. Sans la démocratie, aucun plan de développement. Sans la démocratie, il n'y aura pas de développement en Afrique. Non, ça sera de l'utopie. La démocratie est un système. Je peux vous le dire. Je peux vous le dire, mes frères et sœurs. J'ai eu la chance dans ma vie professionnelle. J'ai eu la chance de défendre deux fois des chefs d'État assassinés par des mercenaires. Et ces mercenaires, si c'était des Noirs, ils auraient été qualifiés d'assassins. Mais lorsqu'ils sont des Blancs, on les qualifie des héros. Et ça, c'est de notre faute aussi. Tout à fait. Puisqu'on ne peut pas avancer. L'Afrique n'avancera pas s'il n'y a pas une prise de conscience. Nous devons nous-mêmes d'abord nous regarder pour nous interroger. Interroger notre conscience africaine. Nous dire quel est notre part de responsabilité dans notre malheur. Est-ce qu'il n'y aurait pas une part de responsabilité d'Africains sur ce qui nous arrive? Tout à fait. Nous ne pouvons pas en 2020, on a 60 ans, c'est pas possible en 2020 de continuer à fortifier cette posture de victime. Nous ne sommes plus victimes. Non. Nous sommes responsables. Et lorsqu'on est responsable de vous, personne ne peut marcher sur vous. Personne ne peut marcher sur vous. Mais il faut être responsable. Et ça, c'est un défi politique. Et ce défi politique doit être relevé lorsqu'on a un support culturel, puissant et fort. Le troisième défi, il est économique. Il est économique. Et puis le quatrième défi, c'est le défi écologique. C'est le défi écologique. Bon, voilà les défis qui attendent notre continent. Et vous êtes nombreux. Le monde sera peuplé par une majorité d'Africains debout, dignes et conscients de leurs responsabilités. Voilà les principaux messages. Nous tenons à vous remercier. Les organisateurs sont tous présents ici. Il y a ma sœur qui chérit, il y a Caroline, il y a Doro. Il y a député Tocha, il y a ma grand-mère qui est là. Elle symbolise la dignité comorienne. Elle a 80 ans. Elle a 80 ans, cette femme. Ça fait un an et demi. Tous les dimanches, elle est présente ici à la place de la République. Vous demandez le départ d'un dictateur comorien. Il y a mon ami Claude, également qui est présent. Il y a Doro. Il y a monsieur le président avec sa casquette. Et tout le monde est là. Je ne peux pas citer tout le monde, c'est pas mon rôle. Je laisse à Caroline, qui est la maîtresse des cérémonies, pour prendre son travail. Révolution Ilan. Voilà. Bon, il y a les Comoriens qui s'inspirent. Ils sont rapides hein, et efficaces. Ils s'inspirent de ce qui s'est passé au Mali. Ils ont dit, si c'est possible au Mali, ça sera possible au Comor. Vous entendrez parler des révolutions Ilan. Vous entendrez parler
puisque je peux vous dire que ce que vous avez fait au Mali inspire d'autres peuples. Voilà. Le samedi, à Sarcelles.